Fala de opinião. Une opinion sur la sélection d'aujourd'hui en France pour la Colombie? Je ne sais pas. Pas en Argentine, mais au Venezuela, je crois. Et voilà. Ah oui, mais que voulez-vous faire? C'est comme ça. C'est la bagarre partout, hein? Oui. Voilà. Bonjour. Alguna opinion pour la Colombie? Sur la sélection, s'il vous plaît? Non. Merci. Qu'est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? C'est la file d'attente pour le bureau de vote. Ah, c'est vrai? Oui. Non, la situation de la France, de la sélection. Ah oui, non, la situation. Je vais voter pour Hamon, c'est ça que vous voulez savoir? Ah, je ne sais pas. Le vote, c'est secret. Non, non. Oh, non? Attention. C'est difficile. Non, je sais pas. Moi, je suis du Pays Basque, alors du coup, c'est... Ah. Je me sens un peu moins impliqué. Ah, c'est vrai? Oui. Bonjour. Alguna opinion sur la sélection? Pas d'opinion. Alguna opinion sur la votation d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, j'ai voté, moi. Oh. J'ai voté, j'ai fini. J'ai voté à... Alguna opinion sur la votation, c'est favorable ou pas, ça aujourd'hui? Va. Ça va. Il y avait ça beaucoup va? De monde, oui. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Une votation très serrée oui. Entre les candidats favoris. Ah, oui. Les candidats favoris. Moi, celui pour... qui aime le pays, qui aime les citoyens, c'est celui qu'on aime et celui qu'on vote pour lui. Voilà, c'est tout. J'ai pas hésité. C'est une élection difficile pour la France ou... Difficile, non, mais beaucoup de suspense. Ah. On ne sait pas. Donc, ça va être ce soir qu'on va découvrir les résultats et ça va être peut-être des grandes surprises. Dieu de miséricorde, Père béni, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Allez, ça va être à moi et Mélenchon. C'est vrai? Je sais pas, je ne les ai pas suivis, mais bon. Après, on verra bien. Hein. Tant qu'après, de toute façon, nous, ils ne vont rien faire pour nous. Pour la France d'en bas, il ne faut rien. C'est ceux qui ont l'argent. Donc nous, on travaille, on paie les impôts, on les aide. Ils nous enlèvent des avantages. Et après, tout ça, après, bon, les manifestations, ceci, cela, mais oui. Ceux qui prennent l'argent. Maintenant, moi, je vais voler un bonbon, je vais être au commissariat. Oui. Eux, ils ne volent pas un bonbon, c'est des millions de bonbons. Ils ne vont pas devant le tribunal. Mais bon, c'est la vie, ça. Nous les accueillons dans leur cheminement et nous célébrons la seconde étape. Reprendre les résultats du premier tour. Alors, il y a Emmanuel Macron qui a eu 23,70%. Marine Le Pen, elle a eu 21,70%. Les
قاي صالح تهلا في ولادنا تهلا رانا في الغربة رانا في الخرا تهلا قاي صالح قايد قايد عنابة تهلا Se implican políticamente no, o no? No, 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 pas du tout. Nada. Nada. Se abstienen. On s'abstient. Nous, nous, on prend position pour le royaume de Dieu. Por Dios. El único presidente es Dios. Exactement. Exactement. Muy importante. Des premiers tours des élections. Donc, je répète là encore une fois, il y a Marine Le Pen et Macron qui finissent au deuxième tour. C'est dommage. Mais j'espère bien que pour le deuxième tour, que tous les deux ils vont pas passer et qu'on va essayer d'empêcher ça. Donc voilà. Hola, por favor, ¿tú votaste? No, no quiero, no quiero hablar. No, 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 no hay que ver. J'espère que le futur, c'est difficile ou... Pour le moment, honnêtement, cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce qu'en fait, il n'y a pas un candidat qui satisfait 100% des personnes. Et puis après, c'est surtout, il y a le scandale de Fillon, tout ça. Et donc, bon, moi, personnellement, je vote pour dans l'avenir, quoi. Et puis la gauche, malheureusement, il n'y a pas un... candidat, je dirais, officiel, mais il n'y a pas d'espoir. Mais candidat à droite, il y a quand même l'image est éternie par c'est la corruption, tout ça. Donc c'est pas vraiment tout à fait idéal. Donc moi personnellement, je vote pour un candidat à gauche, mais pour la future, pour le changement. Là, apparemment, c'est un peu la merde là. C'est vrai? Oui. je vote pas la suite. Là. Je voterai blanc. Oh. Alguna opinión? Alguna opinión, s'il vous plaît? Pardon? Ah, c'est super. Sur la votación de aujourd'hui? Oh, ben, espérons que le meilleur gagne. Hein. Merci. Il faut essayer de créer un rapport de force. Voilà. Ici, là, on est sur une place, mais on tient rien. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? On peut aller manifester, mais ça ne changera rien, je veux dire, ce soir. Il faut le faire, hein. Parce que, c'est formidable, il fait beau, il y a beaucoup de monde, et tout le monde remplit son devoir civique, et c'est parfait. Joue debout. Donc le mouvement Joue debout, en fait, c'est plusieurs associations qui se sont réunies aujourd'hui pour donner aux citoyens notre alternative et leur permettre aussi de voir qu'ils peuvent travailler ensemble sans pour autant avoir une couleur de politique particulière. Et voilà, donc c'est l'occasion aujourd'hui qu'on puisse discuter ensemble autour d'un atelier. Politique, oui, puis général aussi. Oui. Hein? Lors de l'affaire Dreyfus, on disait quand il y avait des disputes dans les familles, ils en ont parlé. Ah. Là, actuellement, je pense que quand il y a des disputes dans les familles, c'est ils en ont parlé, tiens, de quoi? Des élections, of course. Oui. Et je pense que les sondages vont jouer un grand rôle dans tout ça, parce que les sondages, des fois, c'est pas très, très... C'est plus influençable que crédible.
Et là, je pense que les gens, au niveau des indécis, les gens qui ne pensaient pas voter, ben, je pense qu'on va s'attendre à une grande, grande surprise ce soir. Et c'est possible. C'est possible, parce que les gens voient Marine Le Pen, voient ça. Oui. Attention, j'ai dit attention, Mélenchon n'est pas loin, attention. Les voix de la gauche peuvent se reporter avec Hamon, plein de beaucoup de petites choses comme ça. C'est et je pense que ce soir, on va avoir une grande surprise et c'est on sera là pour le deuxième tour. Et tienen que ir a votar todos. Los franceses son desmoralizados. Van a dar el voto a la derecha. No a sé. La droite. No sé, pero es posible. Sí, porque no. Yo soy del Consejo Internacional de la Resistencia y ese movimiento cree que hay la diplomacia, la inteligencia colectiva. Pero hay también la insurrección nacional e internacional y somos recogiendo militares. ¿Militantes? Militares. ¿Por qué? Militares. Porque la insurrección, si solo hay ciudadanos, es la guerra civil. Y la guerra civil es muy, muy peligrosa. Il y a des formes de ou. Pourquoi? Merci beaucoup. Et c'est pour manger maintenant ou... Oui. Non, elle. Comment il s'appelle? Mélenchon. Voilà. Et c'est bon. Mélenchon. Et que. Bueno, oui, un voto útil, pero también el voto útil, no sé qué tan útil es. Y no me gusta esa idea. Porque es una manipulación de. Pero el panorama es que va a ganar la derecha. No tengo idea. No, ojalá que no. Sí, no, el panorama es eso. Y no sé, yo creo que vamos a ver qué pasa. ¿Tú tienes miedo? No. ¿Francia tiene miedo? No sé, yo no tengo miedo. No, pero hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Y puede ser, pero bueno. La gente mayor tiene miedo, la gente vieja. Por internet, sí, por Facebook. Ah, la chiquita la abuelita. Pero me imagino que hay carro al entrar. Ah, sí. Dependiendo, claro. Bueno, ¿qué le queda, no? Sí, seguramente. ¿Vas a votar? Vas a votar. Español. Hermano. Siempre. ¿Le pone la mora? Sí. Euskadi. Mion, a las elecciones, ¿cómo ves la cosa? Ah, me la chonga gana. Ah, ¿sí? Así no dan papeles rápido, pues. ¿Estás confiado en el triunfo? Yo estoy confiado, siempre, si desconfío, pierdo. ¿Qué tal? Intentando confiar. ¿Vas a votar tú? No puedo. ¿Qué? Que vota la basura esa mujer. ¿Cómo que no puedo? No, extranjera, no puedo. ¿De fechas o...? Ah, Francia, lo que pasa es que Francia es un país que es lo que le conviene. Hay veces de derecha, hay veces de izquierda. Son unos racistas hipócritas. O sea que... Que depende. Ahí está más o menos, no sé, vamos a ver. Ahí miramos, nos vemos esta noche. ¿Vas a celebrar la fiesta de repente? Ey, si ganamos, si gana Mélenchon, me emborracho esta noche, picho y peleo. الانتخابات كويس؟ باردو برس جي ريان في دي مال موا جي في دي لا فيغيتي سي موا جي كوماند لا فرانس سي فا مارشي كوم اي فو باسكو نو موا اديجا كي جي سوي فينا لا فرانس جيتي ماري افيك مون ماري
Et mon mari, il est venu de la France, il a construit la France. Il n'a pas démoli la France. Il a travaillé. Et j'ai mes enfants, ils ont travaillé. Il a trouvé les pareils travail. Eux aussi travaillent. C'est pour ça que moi je suis là. Et alhamdoulilah, j'ai travaillé, je suis de la retraite. Je touche une bonne retraite et je suis très heureuse. Je me repose maintenant. Et bien même je vois, qu'est-ce que... Écoutez, la France et l'Europe. Vous voyez? À mon avis, je ne connais rien de politique. Mais qu'est-ce qu'elle a pourri la France? Elle a rendu la France pauvre. C'est l'Europe. Ils étaient venus, ils ont trouvé tout prêt. Tout prêt. Tout prêt. Qu'est-ce qu'elle a travaillé? Elle a le droit de la retraite, elle a le droit de tout. Et ils étaient venus avec les sacs poubelles, ils ont mis les vêtements des sacs poubelles, ils ont tout trouvé. Ils ne payent pas les charges, ils ne payent rien du tout. C'est nous qu'on perd, c'est nous qu'on fait trop. Moi, déjà que j'ai laissé mon santé de mon travail. Et mon mari, le pauvre, quand il fait froid, surloué. Quand il pleut, surloué. Quand il a la neige, surloué. Quand il a le soleil, surloué. Et malheureusement, il n'a pas profité de sa retraite, il est décédé jeune. 57 ans. Mais moi, j'espère, je vais profiter, je suis très heureuse. Voilà, moi je vais dire, je vais répéter, mais le froid. En plus, qu'est-ce qu'ils ont fait, les bombes? C'est l'Européenne. Ils font le lavage cerveau et nos enfants, qui sont nés en France, qui ne savent rien du tout. Comment voyez-vous, quelqu'un va tuer les autres, il va au paradis, ça c'est jamais. Parce que l'islam, ils disent toujours, remonte les doigts, plus faible. Islam, islam. Bon, je vous dis la vérité. Moi, si je fais un repas, je vois les voisins, il n'a pas de repas quoi manger, partage avec lui. Parce que moi, je suis très croyante et je le sais. Vous voyez? Et je le sais, je suis fière comme je suis. Moi, je dis mille fois, c'est l'Europe qui fait les bombes. C'est l'Europe qui pourrit la France. La France, elle était riche. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Et bonne journée. J'espère mes paroles. Et va être loin. Bonjour. Bonjour. Une question pour la Colombie. Oui. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection? Très mauvaise sélection. Pourquoi? Voilà. Ben parce qu'il n'y en a aucun qui sort du lot, malheureusement. Merci. Poser la question et je vous réponds. Je suis très pessimiste. Très pessimiste. Ouais, parce que pourquoi? Pour moi, il n'y a aucun candidat qui sort vraiment du lot. Et c'est toujours la même politique. Celle droite-gauche, c'est quasiment pareil. Du coup, on en revient à voter pour le moins pire. Et ça, c'est dommage. Voilà. Bonjour. Alguna opinión sobre la votación, no, s'il vous plaît? Je ne veux pas être fumé. Francia. De raíces de la República. Bueno, pienso que es muy bien para nosotros de elegir Benoît Hamon. ¿El mejor? El mejor para mí, sí. Porque los otros candidatos difíciles. Son, ¿no? Son muy difíciles. Yo pienso que no son buenos para nosotros los musulmanes. Somos musulmanes. Es porque yo. Yo quiero Hamon. ¿Tú has votado por él? Sí. ¿Y tú, por favor? Yo también Hamon, porque los musulmanes en Francia hay mucho racismo y con Hamon es mejor para nosotros. ¿Es mejor, tú crees? Yo creo, sí. Pero... ¿Hay otro candidato, por ejemplo, como Melanchón? ¿Ese candidato no te gusta? Melanchón tiene posiciones... con la religión, no tiene religión y no quiere la religión, es comunista. Eso claro, pues, es negativo para negativo un, para un islámico. Para un islámico, sí. Claro, no está bien. No, Melanchón, no está bien. No está bien. Entonces, para nosotros. Claro, claro. Es mejor eso. Mejor Hamon o Asselineau también. Ben, honnêtement, on ne sait pas pour qui voter, enfin, c'est tous les mêmes, c'est tous des acteurs, c'est une scène de théâtre. Et c'est qui jouera le meilleur rôle, voilà, tout simplement. Et merci. Une surprise, Mais j'espère que les attentats de ces derniers temps ne feront pas remonter en force l'extrémisme.
parce que ça, c'est... Madame Le Pen, c'est possible qu'elle va gagner. Ah ben oui, enfin, c'est oui. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça fera qu'un plus pour elle. Du coup, elle va que remonter dans les... Voilà, ça va favoriser sa remontée dans, les, dans le scrutin. Mais bon, c'est désolant parce que, voilà, des fous, il peut en avoir partout. C'est pas voilà, c'est pas que les immigrés qui sont des fous. Demain, un Français peut faire exploser une bombe. Voilà, tout simplement. Et s'il vous plaît, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection ça, en France? J'ai rien à dire. Rien. Non. Ça va rien changer. À mon pourquoi coup, c'est les... Pour moi, bon, je l'ai fait parce que c'est un devoir, mais ça va pas changer grand-chose. C'est toujours la même chose. On dit toujours on va faire, mais après on fait rien. Pas de confiance dans le futur? Non, non, non. À mon... Ils disent tous on va faire, on va changer, mais finalement ils font rien. Salam alaikum. Alguna opinion sur, le, sur la votation sur... Pas d'idée. Bon, je vais voir. Mais non, parce que... Vous allez à... On vote pour des guignols, pour des nuls et pour des bons à rien, alors. Ouais. Que pensez-vous de la votation? Moi, je vote pour Macron, s'il vous plaît, monsieur. Oh. Macron, oui. C'est vrai? Oui, c'est lui qui va gagner, président. Alaykoum salam, on vient voter pas pour mais contre Marine Le Pen et François Fillon. Voilà. Aucune opinion sur la votation? Non. S'il vous plaît? Non. Pas non. D'opinion. S'il vous plaît? Bah, l'opinion sur la j'espère votation? J'espère que c'est la gauche. La gauche. J'espère aussi. Vive la gauche. Favorable. C'est vrai? Oui. Je ne sais pas, parce que je viens de la Colombie. Ah, il est favorable pour ceux que j'ai voté. Ah, je ne sais pas. Bonjour. Aucune opinion sur la votation? Et on vote, comment dire ça? On vote pour élire un président que j'espère il sera à l'auteur de son devoir. Mais c'est pas le comment on dit le Front National qui va faire quelque chose. Hein. Ça c'est sûr qu'il ne faudra rien du tout de plus que ce qu'ont fait la gauche et la droite. Mais il faudrait mettre des lois plus sévères, ça c'est sûr. Mais mon opinion. Oui. Je votais Macron. Voilà. C'est tout. C'est tout. Pour toujours payer pour les impôts et tout. Oui. C'est vrai. Ah ouais. Aucune opinion, on a voté, puis on va voir le résultat ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de surprises. Oui, quand même, on ne sait pas oui. Trop pour qui voter, du coup, mais bon, arriver dans l'urinoir, et bien... Les favorites? Favoris, côté gauche. J'en dirai pas plus, du coup. J'espère. Voilà. Mélange sur la street. Ah, comme une opinion. Le Pen. Parce que là, c'est un peu farfelu. Il y a tout le monde qui c'est parler. Difficile. Ouais, là c'est difficile. Là ça va être entre Marine et quelqu'un, Mélenchon ou Macron ou je sais pas. Du coup après on va voter contre Marine, pas pour quelqu'un. Je peux pas voter parce que je dépends d'un autre bureau que j'habite là. Ah voilà. Ah très bien, vous êtes là. Mais vous êtes avec qui? Avec Internet? Avec qui là? Faites quoi? La presse. La presse vous allez tellement parce que moi la presse. Oui. Merci monsieur. Bonjour. Salam alaikum. C'est le jour de l'intihabat. C'est pas la peine des photos. Ah. C'est pas... Nous sommes ici à le quartier de Rennery. Oui. Parce que c'est la sélection dans la France. Quelle opinion, vous avez l'opinion de cette élection? Comment ça marche, la sélection, aujourd'hui? Moi, je suis députée socialiste de la circonscription. Je suis, en tout cas, très contente de voir qu'il y a une forte participation et donc que les citoyens exercent dans tous les quartiers leur pouvoir démocratique. Après, bon, sur le résultat, on ne sait pas. Moi, j'ai des opinions. J'espère que... C'est la presse de la Colombie. Qu'est-ce qu'il passe ici? C'est la sélection. Franchement, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de voter. C'est la Colombie, elle est très, très connue dans la cocaïne. Dans la cocaïne, elle est très connue. Là. Et vive la... Où est et vive... Non, non.
et vive la Colombie. Moi j'ai voté. Moi je veux pas parler. Mais dis mon nom. Moi j'ai voté sur Marine Le Pen, que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et j'ai en train de lâcher comme à fond à Marine Le Pen. Vive Marine Le Pen, je t'aime beaucoup. On aime les Arabes et les Africains, mais on les aime chez eux, pas chez nous. Voilà, merci. La Colombie, qu'est-ce que je vous parle de la Colombie? La Colombie, c'est la cocaïne, la blanche. Et la cocaïne, c'est qui la met? C'est le ministre, le président, elle est trop chère. Et elle est bonne, elle est trop bonne la coque. Quelque chose de blanc, quelque chose de sucré, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. On est dans un autre monde. Mais vive la France, vive Marine Le Pen. Vive la Marine Le Pen. Je suis une maghrébine, je suis née à Toulouse, je suis née en France. Mais vive Marine Le Pen, et je l'aime beaucoup Marine Le Pen. Je m'appelle Ouria. Allez, c'est de quoi? C'est vrai. Thank you.